Oui, salut, salut la famille. Comme vous le savez, c'est toujours le même Francas, le promoteur de tous les artistes burkinabés africains. Donc, s'il vous plaît, écoutez ça jusqu'à la fin. C'est juste 2 minutes 57 secondes. Donc, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À côté de la Côte d'Ivoire dit que, ouais, eux, les relations avec le Cameroun, qu'ils sont des quoi, que si un Ivoirien parle en Cameroun, c'est quoi, on ne comprend pas. Les Burkinabés disent pareil. Donc, je suis là, s'il vous plaît, pour vous demander. Dites la vérité, s'il vous plaît. Avec les deux fondateurs de la musique burkinabé que vous voyez, Floubi et Desaltino, et Alsafou de la Côte d'Ivoire que vous voyez, et le fils de Guy Arafat, Ariel Sini, le king du coupé décalé que vous connaissez aussi. Si le Cameroun dépose un trophée, si le Cameroun, écoutez bien, si le Cameroun dépose un trophée, et il invite la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, quel pays partira avec le trophée, s'il vous plaît, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Et si le Cameroun, c'est le pays Cameroun qui doit déposer le trophée, quel pays partira avec le trophée, s'il vous plaît? Si le Cameroun dépose un trophée et il invite la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, quel pays repartira avec le trophée, s'il vous plaît? C'est ainsi qu'on va connaître que la relation du Burkina Faso et le Cameroun va être comment, et la relation de la Côte d'Ivoire entre le Cameroun aussi doit être comment. Donc, j'invite à tous les Camerounais de venir répondre ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas affaire de comparaison, c'est pas affaire de quoi. C'est la vérité on veut. Voilà, si vous voyez, ce artiste qu'on appelle Gente le Béni, il a un concert, méga concert au Stade Nyangoun de Gabon le 12 février que personne ne doit rater. Si vous aimez très bien la culture africaine, si vous aimez la culture burkinabé, s'il vous plaît, tout le monde doit être derrière Gente le Béni et Zeba Souleymane pour la réussite totale de ce concert au Gabon. Je dis très bien au Gabon. Voilà, donc c'est l'Afrique qui gagne. Ce même artiste Gente le Béni va faire sortir un nouveau clip le 20 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, le titre du clip, c'est Dunia. Donc, s'il vous plaît, ne rate pas du tout aussi ce date, s'il vous plaît. Je vous aime fort. L'artiste est très talentueux et il mérite tellement de soutien. Moi, c'est Francas, le promoteur comme ça. Je vous aime fort. Oui, on est godo godo pour la vie. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne. Voilà, c'est mon logo. Francas, le promoteur comme ça. Vive la culture africaine, vive la culture mondiale.